Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui, on va faire le tirage avec l'oracle des esprits de l'eau. Nous avons ici la sirène Arcimboldo et la sirène mère et enfant. Alors, ici, y a des personnes qui s'auto-dévalorisent. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que lorsque l'on se regarde, on se regarde avec des yeux d'insatisfaction. Vous voyez, peut-être qu'on se lamente sur une partie du visage, sur une partie de son corps, vous voyez ici. Et donc, du coup, on fait de soi-même une analyse hypercritique. Ce qui n'est pas bon du tout pour vos énergies, puisque ça vous met dans des énergies basses, et qui n'est pas bon du tout pour votre bien-être, voyez ici. C'est peut-être que vous pourriez plutôt vous concentrer sur la belle personne que vous êtes dans votre intégralité, et de vous traiter surtout avec plus d'amour et d'affection. Ici, on a les cartes d'amour, ici, vous voyez, donc... Si on ne vous demande pas de vous faire la mèche devant le miroir et de dire « Oh, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis belle », non, peut-être pas à ce point-là, encore que, si vous voulez, vous pouvez. Mais quand on se dévalorise et que, par exemple, quand on se regarde et qu'on se dit « Bon, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle », il faut bien vous dire que il n'y a que vous qui pensiez ça, parce que quand on se connaît bien, on voit tous les petits détails, tous les petits défauts, tout. Voilà. Et on ne finit par ne voir que ça. Alors qu'il faut vous dire que les personnes en face de vous, elles ne vous voient pas du tout de la même manière que vous voyez. Et ça, c'est véridique. Donc ici, voilà, faudrait arrêter de s'étudier comme ça sous toutes les coutures, puisque de toute façon, on trouvera toujours un petit truc qui cloche, hein, vous voyez. Donc là c'est vraiment important, parce que si on ne s'aime pas soi-même un minimum, ou même si on ne s'aime pas, c'est au moins s'accepter tel que l'on est, de se dire, bon, on est comme ça, on a ce physique-là, il y a une raison. Et de toute façon, vous plairez toujours à quelqu'un. Voyez là, comme je disais tout à l'heure, on a les cartes d'amour. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit, l'amour ne rentrera pas dans votre vie. Parce que quand on se trouve pas assez bien, par exemple, physiquement, on peut avoir la croyance qu'on ne rencontrera personne parce qu'on va plaire à personne. Mais du coup, vous allez, ça va entraîner, si vous voulez, un comportement qui va faire que vous allez être introverti, ou alors vous allez un peu vous cacher, voyez, et donc du coup ça c'est pas attirant pour l'amour, voyez ici. Ici on a la sirène mère et enfant. Donc la sirène mère et enfant veut dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va vous donner des conseils dont il va falloir tenir compte. Ce sera des conseils maternels. Donc, il faut être attentif ou attentive aux conseils que quelqu'un qui sera digne de confiance va vous donner. Mais c'est quelqu'un qui sera plus âgé que vous, parce qu'on est vraiment avec quelqu'un qui est d'une autre génération, parce que nous avons ici des conseils que l'on va vous partager avec une grande sagesse. Et ça va bien tomber, ça va tomber à un moment où vous en aurez besoin. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, ou pas, hein, voilà. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va être temps pour vous d'écouter ce que l'on va vous dire et d'assimiler les informations. Parce qu'il se peut que vous passiez à côté, vous voyez, vous n'allez peut-être pas avoir envie d'entendre ce que vous n'avez pas envie d'entendre, mais il faut avoir confiance dans ce que vous allez entendre. Parce que la personne qui va vous donner ses conseils, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience. Donc il va falloir être réceptif ou réceptive ici. Donc ça peut être quelqu'un hein, qui va venir vous rendre visite, ou ce sera un appel inattendu, ou toute autre forme de communication. Mais c'est quelqu'un qui va vous donner un conseil vraiment spontané et vraiment sincère. Voyez ici, donc vous allez recevoir. Alors ce conseil, je pense, ça doit être au sujet du regard que vous portez sur vous-même.
D'accord? C'est peut-être quelqu'un à qui vous allez dire, oh, regarde, j'ai ça, ça va pas. Ou peut-être que cette personne sait que vous ne vous aimez pas trop, donc elle va vous donner de sages conseils. C'est très précis aujourd'hui, hein? Voilà, l'attraction, hein? Oh ben voilà. Attirer l'amour. Donc, attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Comme je vous disais tout à l'heure, voyez, eh bien, vous n'allez pas pouvoir attirer l'amour si vous n'êtes pas bien avec vous-même. Pour être bien avec quelqu'un, il faut déjà être bien avec soi-même. Donc ici, c'est de vous rendre attirant ou attirante en vous appréciant pleinement. Vous voyez, d'avoir le sourire aux lèvres, d'avoir des expressions du visage de quelqu'un de. Vous voyez le langage corporel ici qui doit être plein de beauté et pas de quelqu'un qui se cache. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai un peu de mal à m'exprimer là. Quelqu'un qui ressent pas du stress, si quelqu'un vous aborde et qui vous fait comprendre que vous lui plaisez, vous pouvez ressentir un petit stress par rapport à cette personne ou une peur, vous voyez, parce que vous allez vous demander ce qu'il vous trouve, vous voyez, par exemple, parce que vous allez penser que vous êtes sans attrait. Donc non, là, c'est vraiment, je pense que ces conseils vont venir ici, vous êtes peut-être recevoir des conseils d'un love coach ou d'une love coach, je ne sais pas, vous avez peut-être ça autour de vous. On vous dit de lâcher prise, en tout cas, et de laisser les choses venir à vous, ce qui doit venir à vous, et de vous accepter tel que vous êtes. Ça, c'est vraiment très important. Sur l'attraction, ici, on a l'amour, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous a repéré, qui vous a repéré, mais qui n'ose pas vous approcher. Et peut-être qu'il ne vous approche pas parce que vous dégagez. Vous voyez, ce qu'on ressent et tout ça, c'est quelque chose qu'on dégage. Dans les énergies. Donc, si vous vous aimez pas, vous allez dégager quelque chose de bas, de négatif, de pas attrayant, quoi, vous voyez. Alors que alors que vous méritez de rencontrer l'amour, vous voyez, quel que soit votre physique, quel que soit votre caractère ou quel que soit tout, vous méritez toujours de rencontrer l'amour. Donc là, j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a repéré et qui aimerait bien vous aborder. Ici, on vous dit de lâcher prise pour vous libérer de cette croyance qui est vraiment très limitante et de vous libérer des peurs, de vous libérer des pensées que vous avez au sujet de vous et de devenir un homme ou une femme nouveau, nouvelle, quelqu'un qui s'apprécie. Voilà, s'apprécier, ou je vous dis au moins le minimum, c'est de s'accepter tel que l'on est. Ensuite, nous avons ici l'amour véritable. Vous voyez, c'est l'amour véritable ici qui attend de pouvoir rentrer dans votre vie. Donc, ça serait dommage de passer à côté juste parce que vous trouvez que vous avez un petit truc qui cloche sur la joue, quoi. Vous voyez? Donc, non, non. Ici, c'est un amour véritable et durable qui vous attend. Ça peut concerner quelqu'un en particulier, hein, mais en tout cas, on a une validation ici de la nature divine d'une relation. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement et quelqu'un avec qui vous pourrez traverser les saisons de la vie. Voilà. Mais là, il y a des conversations honnêtes là, hein, qui vont arriver. Mais voyez, par exemple, si la personne elle arrive et qu'elle vient et qu'elle vous dit, oh là là, mais tu es très beau, tu es très belle, j'aime ci, j'aime ça chez toi, etc. J'aime tes yeux, je sais pas, j'aime n'importe quoi. La personne va sentir dans vos énergies qu'il y a un malaise, si vous voulez, parce que vous allez avoir une réaction. Parce que dans votre tête, vous allez lui dire ah bon, vous allez vous dire ah bon, ah bon, vous voyez, donc ça va se voir et ça va pas. Donc ici, j'ai l'impression qu'on attend que vous fassiez ce petit travail sur vous, sur l'apparence que vous avez, parce qu'il n'y a que vous qui vous voyez de cette manière, hein, il faut vraiment essayer de vous chérir.
pour pouvoir attirer cet amour. Il y a des conversations vraiment ici qui attendent. Il va y avoir des discussions avec une personne ici. Vous voyez, c'est des conversations cœur à cœur. Donc, il faut se préparer, en fait. Il faut se préparer. Ça, ça va faire partie de la préparation. C'est-à-dire d'enlever ce masque-là qui est de... Ça va demander un effort de votre part. Il va falloir quand même... peut-être que vous pouvez vous faire aider si c'est vraiment fort, si vous en ressentez le besoin. Mais quand vous allez vous retrouver en communication avec cet homme en tête à tête, il va vraiment falloir être totalement ouvert, ouverte, avec le cœur ouvert à l'autre. Et si vous avez cette gêne, vous ne serez pas totalement présent ou présente et vous ne serez pas totalement là. Voyons encore la communication. Il y a une communication qui arrive là, c'est sûr, au moins pour certains d'entre vous. C'est obligatoire, hein. On n'a que ça, vous voyez, à quelqu'un qui va avoir envie de vous parler, qui va se jeter à l'eau. Donc pour vous, ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est vraiment de travailler sur l'image de vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, parce qu'ici on a... c'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez déjà... Et que vous avez des difficultés justement avec l'amour, mais ça peut être cette personne également ici qui pense à vous. Donc on a ici vraiment pour certains une rencontre qui va se faire très 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 bientôt avec une communication assez importante, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a ? On a Viviane ici. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est vraiment s'exprimer le mieux possible. Mais c'est là que vous allez recevoir des conseils de quelqu'un de toute façon par rapport à votre difficulté. Hein. Les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Vous voyez, ce cadeau, c'est cet homme ou cette femme qui vous attend quelque part. Donc, ouvrez bien les yeux. Il y a quelqu'un qui va se manifester. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Voilà, ne fermez pas les portes. La fée du Lion, sois fière de toi et rayonne de mille feux. Voilà, ça peut être, j'ai parlé du physique, maintenant ça peut être autre chose, hein. Peut-être que vous n'aimez pas autre chose chez vous, mais là c'est vraiment de pouvoir s'apprécier, c'est un peu comme je disais hier, c'est part d'ombre et c'est part de lumière. Hier on était vraiment dans le caractère, dans les petits défauts qu'on a là, comme ça, là aujourd'hui c'est le physique, donc là vraiment on vous demande de vous préparer, mais sous toutes les coutures, à recevoir l'amour dans votre vie. Et pour recevoir cet amour, il faut que vous soyez dans l'amour de vous sous toutes les coutures aussi, vous voyez, c'est physiquement votre caractère. Et puis s'il y a une partie de vous que vous n'aimez pas parce que vous trouvez peut-être que vous êtes trop têtu, bon, ben, vous pouvez essayer de l'être moins si vous en avez envie. Après, le physique, c'est autre chose, on ne peut pas le changer. Donc, c'est l'acceptation. De toute façon, moi, je dis toujours, il ne faut pas se changer, jamais. Il faut s'accepter tel que l'on est, que ce soit le caractère, que ce soit ses zones d'ombre, que ce soit la perfection, ça n'existe pas. Il ne faut pas courir toujours après une perfection. Et puis, peut-être que ce que vous trouvez comme défaut, par exemple, je vous disais, vous avez un petit truc qui cloche sur la joue, et bien peut-être que c'est ce qui fait votre charme après tout, hein, vous voyez, c'est peut-être ce que cet homme ou cette femme va aimer chez vous, justement. Vous voyez, ça me fait penser que j'avais une copine, elle avait une dent de devant qui était cassée, mais elle était pas, elle avait sa dent, mais elle avait un bout cassé sur le côté, et elle se plaignait tout le temps, elle voulait aller chez le dentiste, se faire refaire la dent et tout. Moi je lui disais, mais non, garde-la ta dent cassée, elle était trop belle, ça faisait vraiment son charme d'avoir ce petit bout de dent cassé là, ça faisait son charme quoi. Donc vous voyez, des fois, les autres ne nous voient pas comme nous nous voyons. Retenez bien cette phrase, parce que ça
C'est quelque chose qui est vraiment véridique. Et ça, je l'ai remarqué. Souvent, quand on vous fait des compliments, vous voyez, vous dites ah bon? Ah bon? Voilà, mais c'est ça. Vous aviez même pas remarqué. Donc, voilà, faut pas focaliser sur les détails. Il faut vraiment se regarder dans son intégralité. Voilà. Parce que les personnes en face, elles vous voient dans votre intégralité, hein. Vous ne pas regarder les détails, hein. Voilà, hein. Bon, ben, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, voilà, prenez bien soin de vous. Vraiment, il y a l'amour qui veut rentrer, là, vous voyez, il y a l'amour qui veut rentrer. Donc, vraiment, faites ce petit travail-là, sur que ce soit autant sur le physique que sur votre beauté intérieure et tout ça. Je ne vous dis pas de porter des masques, hein, non, parce que sinon, ça ira pas non plus, de faire semblant, ça ira pas non plus. Mais vraiment, de vous montrer tel que vous êtes. Physiquement et tout, intellectuellement et puis émotionnellement et puis partout, vous voyez, et puis vous verrez que l'amour va venir, voilà, à votre grande surprise. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.